Appelons-moi enfin Pierre de la Barbe. Message du ministère des Anciens Combattants par Serge Bertrand. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leurs aînés et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 décembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi en nos combattants et en la France. Discours de Stéphane Denoyenne, notre maire. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, nombreux, pour célébrer le souvenir et honorer la mémoire des hommes de Saint-Pierre-d'Aurillac, morts sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. 41 hommes, 41 familles endeuillées dans un village qui ne comptait alors que 1000 habitants. Aujourd'hui, nous commençons un cycle de commémoration qui s'écoulera encore pendant les 4 prochaines années. Nous nous souviendrons aujourd'hui des 8 soldats morts dès le début de la guerre en 1914. Jean Lalanne et Joseph Sadouillet, soldats, 2e classe, rejoignent le 4 août le 257e régiment d'infanterie à Libourg. Le 12 août, le régiment part à destination de Nancy. Le 20 août, dans un bois du village de Vivian-Lorraine, une violente attaque de l'artillerie allemande les tuera tous les deux. C'est leur premier contact avec l'ennemi. Ils avaient 30 ans. Le 22 août, Jean Nougueil, 26 ans, 2e classe du 7e régiment d'infanterie coloniale, est porté disparu en Belgique, à Saint-Vincent, au cours d'une attaque allemande qui a fait dans la nuit 1350 hommes tués, blessés ou disparus, et 31 officiers disparus, tués ou blessés. Le 23 août, Antoine Giresse, soldat du 6e régiment d'infanterie, meurt à 21 ans en Belgique. Le 9 septembre, Jean Dumont, 26 ans, du 123e régiment d'infanterie, meurt de ses blessures à Nogent-sur-Seine au cours de la bataille de la Marne. Le 19 octobre, Élie Cazenave, 31 ans, soldat du 144e régiment d'infanterie, meurt à l'hôpital de Fismes près de Reims des suites d'une maladie contractée pendant son service. Le 15 novembre, Jean Espagnier, 2e classe du 57e régiment d'infanterie, meurt suite à ses blessures par un éclat d'obus. Le 13 décembre, Jean-Louis Lescouzère, 30 ans, du 220e régiment d'infanterie, tué vers 10h30 par des obus tombés dans la tranchée SAP, occupée par la 23e compagnie, à Vaux les Palamex dans la Meuse, en dessous de Verdun. J'appelle les enfants du CM2 et M. Abelard. Les enfants de l'école de Saint-Pierre-d'Aurillac ont voulu à leur façon participer aux célébrations du centenaire de la Grande Guerre en vous proposant des écrits personnels sous forme de poésie, de lettres, de remerciements à nos soldats pour la France. Et également une lecture de lettres de soldats. Poilu, vous avez eu du courage pour votre âge. Vous avez une jeunesse? Non, nous vous en remercions. Vous avez été sacrifié pour défendre notre liberté. Vous n'avez pas été vieux la plupart. Aujourd'hui, vous méritez votre part, car il n'est jamais trop tard. Au nom de tous, merci à tous. À vous, cher Paul-Jean Dascos et Marcel Dascos. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Marcel, c'est mon arrière-arrière-grand-père, et Paul-Jean, tu es son frère. Paul-Jean, tu es mort pendant la guerre. Marcel, tu as survécu aux douleurs de la guerre. Grâce à vous, et grâce à vos compagnons de guerre,
Vous avez réussi à sauver notre pays. Grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes libres. Je vous en remercie. Les enfants de Saint-Pierre-Loyal, c'est le sacrifice de votre vie et votre courage que nous saluons. Vous étiez dans... Nous vous serons éternellement reconnaissants. Vous étiez dans la force de l'âge, l'âge de nos grands frères, lorsque vous avez quitté votre village de Saint-Pierre-d'Orient. Nous voulons encore vous dire merci. Poilu, soldats des tranchées, ils nous ont apporté la liberté. Aujourd'hui, c'est votre jour de gloire, du matin jusqu'au soir. Le 11 novembre est votre jour, et ce pour toujours. 100 ans après, nous sommes encore rassemblés pour célébrer votre vaillance pour notre pays, la France. Pour lire une poésie collective. Fièrement, vous êtes partis. Très vite, vous avez compris les misères de la guerre, l'absence des êtres chers, les souffrances pour toujours, pour ceux qui seront de retour. Je vais vous lire une lettre sur le désespoir d'un soldat pendant la Grande Guerre. C'est le cafard. Voilà 6 mois que ça dure. 6 mois, une demi-année, contre la vie et la mort. C'est une misérable existence. Ça n'a plus rien du monde. 6 mois, sans espoir. Pourquoi tout ce massacre? Est-ce la peine de faire attendre la mort si longtemps, à tant de milliers de malheureux, après les avoir privés de vie pendant des mois? Nous devenons des brutes. Je le sens chez les autres. Je le sens chez moi. Je deviens indifférent. Sans vous, j'erre. Je ne sais quoi faire. Je vais vous lire une lettre sur la dure réalité dans les tranchées. Voilà près d'un mois que je me suis ni déshabillée, ni déchaussée. Je me suis lavée 2 fois, dans une fontaine et dans un ruisseau, près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché un matelas. J'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort 1 quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupi et même couché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille. Moi aussi, je vais vous lire une lettre sur la dure réalité dans les tranchées. La pluie approche. Une goutte d'eau tombe sur un képi. Après 1 heure, la pluie redouble. C'est l'averse. Accroupis dans la tranchée, nous attendons. L'uniforme s'imprègne brin à brin. Après 3 heures, je sens comme un doigt froid sur ma chair. C'est l'eau qui pénètre. Manteau, veste, chandail, chemise ont été traversés. Après 15 heures, il pleut. La nuit froide glace l'eau dont nous sommes revêtus. Après 24 heures, il pleut. La canonnade redouble. Je me baisse, je me couche au fond de la tranchée, dans l'eau. Après 2 heures, il pleut. Tranchée a une longueur de 100 mètres. Elle est profonde d'un mètre. Et la terre a été jetée devant, si bien que l'on peut passer debout sans être vu. Elle est très étroite et par endroits, on a creusé plus largement pour pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond, on creuse de petites caves où un homme peut se coucher pour se protéger des obus.